Salut à tous et à toutes, c'est Cal. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Castlevania Lord of Shadow. J'ai changé un petite chose, c'est que affichage combat, vous voyez, il y avait tout qui était sans, enfin qui avait rien. Et moi j'ai quand même mis gain d'expérience, j'ai mis avec. Et puis on verra bien si ça gêne vraiment. Barre de santé ennemie, je l'ai mis avec parce que c'est quand même important. Barre de santé Gabriel, ben, je l'ai mis, il me semblait que je l'avais, mais non. Donc voilà, donc on va carte du monde, voilà, chapitre 1, donc on a fait 20% du chapitre 1, voilà, donc Marée de la Mort, c'est Alone parti. again, with only his thoughts as company, he continues on his journey to find the one he seeks. Who or what was that strange creature? There is a power here that few know, a power that could have some influence on events. Perhaps the guardian of the lake is aware of him now and offers aid in his quest. There is just the small matter of the dead bog to overcome, a place that has claimed the lives of many of the Brotherhood. The smell of death is strong here, and danger lies around every corner, but nothing will stop him. Nothing will stand in his way. Vous avez compris. Hein. Ok. Ah bah d'accord. Bah maintenant voilà, j'ai ma barre de santé. Ah bah voilà, c'est quand même mieux d'avoir sa barre de santé, merde, quand même. Ok. Mais j'ai rien là pour me régénérer là, parce que ça. Pour examiner. Alors attends. Nouveau médaillon, gemme de vie. Portés généralement par les guerriers de la confrérie de la lumière, les gemmes de magie peuvent être insérées dans les emplacements vides et conférées à son porteur. Endurance forcée une fois que les 5 gemmes sont dans les 5 emplacements. D'accord, ok, ouais, bon, ça c'est pour augmenter notre durée de. Ok. Alors ça c'est pas mal. Ah bah tiens, j'ai récupéré toute ma vie, je crois. D'accord, grâce à ça, d'accord. Alors qu'est-ce que c'est ça? Peut-être pour augmenter nos armes? On a trouvé un parchemin. Faire select. Parchemin chevalier de la confrérie. Il y a quelque chose dans l'eau, quelque chose de terrible. J'ai vu des hommes se faire traîner dans l'eau et ne jamais réapparaître. On repère ces créatures aux ondulations, mais oublie qu'elles font à la surface. Attendre la disparition de ces remous avant de passer par le marais. Personne ne à cause des fumées toxiques se dégageant de chaque côté du chemin. Faut être patient et attendre le moment de traverser. C'est que je vais y passer, mais au moins sans combattant et non. Ok, d'accord. Donc c'est des remous et des machins, faut attendre que. Ok. Oula, 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 oula. Oui, je sais, merci. Oh putain, ils nous disent tout, quoi. Non mais merci. D'accord, mais là, il n'y a plus rien à. Non. Bon, c'est beau. On est dans un couloir, par contre, ça c'est. Voilà, c'est. Mais c'est. Bon, c'est beau. Voilà. Voilà, on nous fait un truc à l'Uncharted là ou quoi là? Oula, c'est. Ça me fait furieusement penser à Uncharted hein, quand même là. Hop. Je parle au niveau de. Quand il s'accroche et tout quoi. Oh, une bombe. Une bobinette. Après, il se presse pas. Hein. Allez, Gabi. C'est quoi ce truc là? Ramassez, avancez son. Rapprochez-vous, puis sur les touches. Ok. Bon. Mais à part ça. Wouh! Ah, c'est quand même mieux d'avoir les barres de vie, hein, quand même. Franchement, je préfère. Je préfère, je trouve que au moins on voit mieux où on est, quoi, quand même. Oh, il y a des bubules.
Il va se faire niquer. Ok. Donc voilà, faut attendre qu'il n'y ait plus de bulles pour traverser. Vous avez débloqué. Ok. Mais j'ai envie de faire le tour du truc plutôt. Voir s'il y a rien. Non, là je peux rien récupérer. Là je suis. Oh, vous connaissez, vous savez que je fais beaucoup d'exploration moi. Bon, là il y a des bulles, donc c'est pas bon, faut attendre. Voilà, là on peut y aller, il me semble. Oula, oula. Remonter à la surface. Ah, putain. Pas passer sur les côtés, vous avez vu, je me fais ken. Il faut y aller mollo, faut s'arrêter à chaque fois. Non. Vous enfoncez en vous. Ouais. Ok, merci. Donc si c'est ça. J'ai envie de passer par là. Moi. À ma vie, ça va. Je sais pas si je pourrais revenir après. Parce que ma vie, elle est à fond là. Donc ah, ok, je vais quand même peut-être essayer d'y aller. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Quoi que je vais ma vie n'est pas tout à fait à fond, donc on va essayer d'y aller mollo. Ok. Allez. Les bulles. On est parti. Ça devrait être bon. Ok, allez. Voilà, j'ai repris de la santé à mort. Donc ça c'est une chose. Ah, il y a un autre chemin ici. Vous avez vu? Bon. Ma foi. Oula, oula, oula. Putain, je l'ai pas vu. Et qu'est-ce qu'il a fait là? Ça, je serai allé après, hein. Putain, je suis sûr que le truc est mort. C'est mort, je peux plus... J'ai plus de vie, je pense. Ah, c'est qu'une fois, hein. Putain, dans les trucs, ça, c'est qu'une fois. Hein. Putain. Ouais, hein, c'est... Là, j'ai envie de dire, pour une fois, le jeu porte bien son nom. Difficile, c'est... C'est en difficile, là, par contre. Là, c'est... Je pense qu'il va falloir faire vraiment gaffe tout au long de l'aventure, parce que là... On va, je pense qu'on va en chier des rangs de carottes, quoi, si. Hein. Je sais pas trop où aller, là, en fait. Bon, bah, on va continuer par là. Ah, il y a des... Vous avez vu, il y a des grenouilles, c'est excellent. Ouais, non, je sors de là, ok. Ah non, ah non.
Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. D'accord, oui. J'ai fait le con. Ah, mais. Oh là 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 là, là je peux pas y aller là. D'accord, ça me paraît compliqué. On va attendre que les bubules. Hein. Putain, non, je peux pas. Tout à l'heure, je l'ai fait pourtant. Faire un bruit, faut plus faire un geste, rien. Ah, j'ai perdu de la vie complètement connement. Oh putain, ça va, y a de la vie là. Alors. Ah non! Oh, je l'avais pas vu, merde! Oh putain! Oh là 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 là. Putain, vous avez vu les bubules là. Encore une fois, je crève. Hein. Putain. Pour m'accrocher à ça, je vais faire comment? Ah, oh, d'accord. Oh! Oh putain, sérieux. Alors là, ça sauvegarde, j'ai l'impression. Si on peut éviter la flotte, là, ça m'arrangerait. Il y a deux choix possibles. Hein. Oh, je continue tout droit. Moi. En fait, par exemple, vous voyez les bulles, suffit de s'arrêter, quoi, c'est tout, quoi. Voilà, alors ça arrête. Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, il y a un truc, attendez, select. C'est quoi ça? Affiché? Dague d'argent, ces poignards ont été calibrés pour être lancés. Ouais, d'accord, ok. Ok, mais j'ai peut-être pas envie de passer par là, quoi. Je vais passer plutôt par là. C'est con parce que j'y étais presque tout à l'heure. Ça me permettra d'aller voir là, ce qui se passe là. En fait, une fois qu'on a passé le truc, voilà. Alors. Voilà. Ah, j'ai toujours eu horreur des trucs comme ça à l'inverse. Oh là là. C'est ça. Non, bah, je crois que c'est pas bon, là, en parlant. Je vais continuer par là. Je pense que le truc, c'est qu'il faut vraiment traverser avant que les bulles soient passées, quoi. Parce que sinon, vous êtes dans la merde. Voilà. Vous avez vu. Et franchement, je fais pas exprès, hein, de me diriger comme ça. Mais j'ai du mal avec, des fois, de temps en temps, les directions comme ça. Alors, on va attendre un peu. On va s'approcher un peu. On va passer la première bulle. Voilà, on y va. Passe la première bibule. Allez. On va s'arrêter. On va attendre que la deuxième bibule. Voilà. Une fois que les deuxièmes bibules, on peut y aller. Ah non! Putain! Je pensais que je pouvais y arriver, quoi. C'est de ma faute, là. Là, c'est de ma faute, là. Je
Je pensais que je pouvais y arriver sans problème, mais non. Ah, c'est de ma faute. Voilà, les bulles. Hein, on va attendre. Oh là 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 là. Ah, il faut. Tant pis, j'y vais. Je suis un dingo. Là, je bouge plus, en théorie, ça devrait être bon. Hop, c'est parti. Oui, je sais, je suis. Voilà. Allez, qu'est-ce que c'est ça? Ah, oh, ça récupère de la vie, je crois. Ah non, c'est un parchemin. Merde. Parchemin, chevalier de la confrérie. Quelque chose pousse de plus en plus les tribus des gobelins vers nos villes et nos villages. D'où les récents conflits entre eux et les humains. Je soupçonne un noir sortilège d'en être la cause. Quelque chose d'incroyablement maléfique s'empare du pays. Présage. Moi et mes amis. Ok. Alors vous les aurez à chaque fois parce que moi je fais l'aventure. J'ai fait comme si j'étais en solo quoi. Donc, Alors les bubules elles sont où? Ok. Allez, là, faut y aller mollo. Hein. Allez. Faut attendre un peu. Faut pas être. Je pense qu'il faut pas être vraiment au milieu parce que si vous êtes au milieu, vous êtes mal. Ah putain, mais ceci, je me suis arrêté. Enfoiré, voilà. Putain. Allez, donc faut que je passe. D'accord, ok, j'ai compris. Là, faut que je passe sur le côté. Là, je me stoppe. Si je crève, là en théorie, je suis safe. Ah. Allez, on passe, on passe. Qu'est-ce que c'est ça? Un truc là? Putain, je voudrais bien récupérer de la vie, quoi, quand même, parce que là. Je viens de dire, j'ai fait le mongol aussi à faire n'importe quoi. En même temps, je découvre le jeu aussi. Faut bien que je me trouve des excuses. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh là! Ok. Attraper un. Hein. Le truc c'est que j'ai plus beaucoup de vie quoi, c'est. Ça me foutrait les boules de crever tout de suite quoi. Ah, ça se lance automatique les dagues. Un peu dommage ça. J'aurais bien aimé avoir un système de. Un système de lock. Enfin. Que ça se fasse pas comme ça automatiquement quoi. Bon, ils sont assez faciles ceux-là mais. Ah, désolé pour la manette là. Ok. Je voudrais bien savoir quand est-ce que je. Ah, les musiques sont exceptionnelles hein, quand même. Je trouve honnêtement. Ah, ça me fait stresser, j'entends le son de mon cœur là.
Ah putain, mais je savais pas quoi faire. Je l'ai attrapé avec R2 et qu'est-ce que je dois faire? Bref. Pourquoi il se met tout de suite sur le nom? Je comprends pas. Bizarre ça, c'est bizarre. Start, j'espère que je dois pouvoir tout recommencer. Non, ça va. On revient là. Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'il faut faire. Attraper le gobelin pour lui prendre sa grenade. Mais j'appuie sur quel bouton? C'est ça que je sais pas quoi. Astuce. Attendez que le cerclement intérieur se mette à briller avant d'appuyer sur... Oh putain, d'accord. D'accord, faut que j'attende qu'il brille pour appuyer sur une touche. D'accord, il faut que... Ok, je pense que... Okay. On va faire... On va attendre. On va faire ça. Allez, il est où, lui? Je pense que c'est bon. Ok. Les sortes de finish. Oulala, mais ils sont combien là? Oulala. Ah ouais, mais là c'est moi qui ai fait le con. Ah bah c'est bon, j'ai compris maintenant, c'est bon ça. Ok, j'ai compris. Je m'excuse les copains, j'ai compris, c'est bon. Voilà. Appuie sur la touche start, ok. Ah d'accord, bah en plus... Ah d'accord, bah... D'accord. Bon, c'est un peu con, quoi. J'aurais dû... En fait, ouais, y a deux chemins pour arriver là, je suppose. Ok. Hop là. Hop là. Y'a pas un truc par là? Ah bah si. Ça pourrait être de la vie, ça m'arrangerait. Oh putain, ils me font chier avec leur parchemin, putain. Ici dans le marais se trouve un mausolée. Déserté depuis de nombreuses années, ce cardinal Volp m'informe que l'artisan légendaire Rinaldo Gadolfi y a construit au cours de son séjour une puissante relique qui aidera, celui qui maniera la croix. Ok, c'est nous. Je dois admettre que je suis inquiet car beaucoup de mes camarades sont tombés en chemin. Je me demande si cette mission de fou n'aura pas raison de moi. Oh, mais je sais pas. On verra bien. Principal, c'est de passer les bubules. On stoppe. On va attendre un peu. Que les bubules soient passées. Allez, hop, c'est bon, c'est parti. Allez. Dépêche-toi, Gabriel. C'est chaud, là, quand même. Oh, c'est chaud, time. Faut attendre. Ouf. Ça fait un petit frisson. C'est de fou, quoi. Je suis très content d'avoir acheté ce jeu. Putain, j'ai mis du temps à l'acheter. Putain, j'aurais dû l'acheter avant.
Ah ouais. Oh. Allez. J'essaie de pas prendre trop de risques parce que bon, voilà quoi. Vu mon niveau de vie. Ok. Et là, on a que la dague, alors du coup, on a perdu tout ce qui faisait le sel de Castlevania, en fait, un petit peu. Si on n'a pas les... Mais pourquoi je peux m'enfoncer dans ce truc-là? Je sais pas trop où je vais, là. Ok. Ouf! Oh, l'enflure! Sérieux, j'ai du cul de... Ah! Ouh, oui. Ça n'a pas été pour rien. Ah, je suis content. Ah, là, je suis content. Ça n'a pas été pour rien que j'ai fait ça. Ah, là, c'est quand même un peu mieux. On a le droit à quelques erreurs, quoi, quand même. Parce que là, tout à l'heure... sur l'abricot, j'ai envie de vous dire. Bon, bah, c'est là, hein, forcément. Vous vous dites bien que ça serait trop facile de rentrer par là, hein. Allez, c'est parti. Hop, par contre, hop. Ok, tout automatique. Rien de bien compliqué. Ah, vous l'arrivez à l'intérieur. Pas mal, je veux. Ah, je trouve les décors magnifiques. Ah, scène cinématique. Forgive me, brother, but my need is far greater than yours. Écoutez-moi cette musique en même temps avec cette mise en scène magnifique. Alors, cette relique de nouvelles compétences ont été débloquées. Okay. Cette relique a été fabriquée par un titan de renom, Rinaldo Gadolfi. Le bout articulé en métal peut servir à attraper les objets et des ennemis à distance. D'accord. La croix de combat revêt donc les propriétés d'un grappin. Cela permet aussi à l'utilisateur de grimper, de monter en rappel et de se balancer dans les environnements quand le grappin est combiné à la croix de combat. Bon, ok. J'ai envie de dire... on va voir comment on doit faire ça. Il y a un point. Approchez-vous pour l'utiliser. Ok. Appuyez sur R2 pour saisir. Déplacez-vous vers le haut ou le bas. Ok. Appuyez sur... pour passer à travers la surface fragile. Ok. Oh. Hop, ben voilà. Oh putain de merde, j'ai oublié de sauter comme un goré. Putain, mais j'ai essayé de sauter là. Putain, ils sont quand même bien résistants les boss, hein. Oh là 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 là.
Oh merde! Non! Non! J'ai juste pas appuyé au bon moment sur le truc, c'est tout! Sinon, je l'avais du premier coup! Non! Oh non, c'est. Non, 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 non. Voilà, c'est franchement, c'est pas de bol, quoi. Si je me serais pas. Enfin, c'est de ma faute, quoi. Si je me serais pas fait niquer. Ah là 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 là! Et ça, avec des machins comme ça. Et pourquoi lui, il a pas de jauge de vie, lui? Sérieux? Merde, j'ai oublié de sauter. J'appuie trop tôt. Putain, mais quel con que je fais, mais quel con. Quel con, quoi. J'appuie trop tôt. Oh, il est pas difficile. Hein. C'est moi qui ai oublié de sauter. Ah là là. Putain. Ça, c'est parce que je vais me dépêcher, ça. C'est parce que je vais me dépêcher et forcément bah je fais n'importe quoi, j'oublie de te faire des. Putain mais. J'essaie de me concentrer un peu, mais... Aïe!
putain. Et c'est ça que je savais pas, c'est qu'il faut attendre tous ces trucs là de... C'est quoi ça? Pour ouvrir l'âge de la fraternité. Ouais, c'est parti. Je vais transporter plus de poignards. Ok, la classe. Ok, et je fais quoi maintenant? Parce que bon, je suis arrivé là, mais je vais où là? Ah oui, d'accord, là, là. Oh. C'est parti. C'est beau, hein, quand même, franchement. Bon, on va reprendre de la santé un petit peu. Bon, c'est pas mal, c'est qu'il y a quand même des trucs de santé un peu partout. Donc ça, c'est pas mal. D'accord. Je sens bien le truc de se balancer de machin, machin. Ça, je le sens bien. Vous avez vu, il y a quand même des trucs qui clignotent pour nous aider, sur quoi on peut s'attacher. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Vous pouvez descendre, déplacer. Gabriel se suspendra. Ok. 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 Voilà, c'est comme une chartide. Ok. Ah, c'est ça le truc. Ah, ça y est, un deuxième PV. Ok. Puis là, j'ai pas envie de tester s'il y a des murs invisibles ou pas. Hein. Comment je fais là pour aller en face? Je peux descendre comme ça? D'accord. Hop. 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 Ah, on fait de l'escalade. Hein. Alors, faut monter. Voilà. Faut que j'aille où là maintenant? Ok. Ah mais. Bon. Oh là là. Non mais là par contre, vous voyez, là c'est un peu. Putain, je pensais pas y arriver en fait, hein. Ok. Ah oh non, c'est épique hein, quand même. C'est... Okay. Hop là, on va monter. Bon, le gameplay se prend en main très rapidement, assez facilement. Vous avez vu. J'ai assez, on vient de finir. Voilà, niveau terminé. On va aller au niveau des compétences, puis on va s'arrêter là. Ça fait quoi, 40 minutes qu'on est ensemble. Donc. Donc, ok, ça c'est des actions de base, forcément on doit pas les acheter. On a 540, 200, 200, 400. Bon, on va prendre ça, une saisie aérienne, ça peut toujours. Ok, dans les airs R2. Ok, acheter. Le gameplay m'a l'air d'être quand même bien fourni parce que.
Il était à 200, ce truc-là. Il vient de passer à 300. Bon, c'est pas grave. On a assez. Acheter. Ok. Bon, bah voilà, les copains. J'espère que... Onde de dague. D'accord, je sais pas trop ce que c'est, ça. Mais... Attendez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut voir? Maintenez en fond pour lancer plusieurs... Ah ouais, d'accord, c'est comme quand les anciens castles. Monture. D'accord. Bah voilà, les amis. Hein. Donc là, on a fini... attendez, j'en ai fait x26, x1. J'en ai trouvé 2 sur 4. Ah ouais, des gemmes magiques, ouais, mais... ok. Ok. Allez à la page compétence. Poursuivre la quête. Non, j'ai pas envie de poursuivre la quête. Enfin bon, pour le moment. Pardon. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Il y a eu quelques fails, mais c'est un peu normal, hein. C'est le début, c'est voilà, je découvre le jeu, je l'ai jamais fait, donc c'est normal qu'il y ait quelques fails. Mais même en difficile, vous avez vu, je suis en difficile. C'est difficile, c'est pas, je pense, ouais, on sent qu'on est tout de suite pas en mode normal. On est sur un vrai mode difficile, je pense. Et je pense que plus on va arriver, plus ça va se corser, mais... C'est ça aussi qui fait le sel d'un jeu, et ça fait ça qui me fait plaisir, un petit peu de galérer, parce que si c'est trop facile, si on enchaîne les niveaux, où est le plaisir, franchement, je ne le vois pas. Après, par contre, effectivement, dans un vidéotest ou des choses comme ça, je peux comprendre que les vidéotesteurs se mettent qu'en mode normal, puisqu'en fait, eux, ils doivent se baser forcément sur le niveau, j'allais dire, qui est d'origine, en fait, dans le jeu. Là, je les comprends. Par contre, quand on fait... je vous fais un let's play, des choses comme ça, je préfère me mettre en difficile. C'est vrai que je galère un peu plus, vous avez quelques fails, vous avez plus de fails qu'en mode normal, etc. Mais au moins, moi, ça me donne du plaisir quand je joue. Et ça, c'est important pour moi également. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis voilà. Et puis, je vous dis à demain pour la suite de nos aventures. Bye bye.